Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 dans de nouvelles aventures avec un pack de textures que nous allons découvrir ensemble. Je ne le connais pas, j'ai juste vu la présentation en images sur un site internet de pack de textures. Ce pack de textures se nomme... Attendez, comment ça va? Il n'y a rien. C'est Rome Craft. Hop là. Alors, je commence donc une nouvelle aventure. Donc, je vais prendre tout de suite les coordonnées du point de spawn. Alors, spawn 108 269. Voilà. Comme ça, j'aurai mon point de spawn obligatoirement. Si jamais je me perds ou n'importe quoi, je saurai où retourner. Donc, c'est un pack de textures que j'ai trouvé agréable sur les images que j'ai trouvées. Ça commence. Ça y est, je viens de faire un bond. Génial. Allez, sors. Cours, 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 Forest. Je m'attendais pas. Oh! Des monstres dans Minecraft? Mais c'est pas possible! Dites-moi pas que c'est pas vrai, je suis à poil! Oh non! Bon, bref. Ah bah j'ai pas changé, hein. Si vous me connaissez dans d'autres aventures, vous savez très bien ce que je vaux. Alors, nous avons ici à première vue un petit cochon. Petit cochon marron, oui. Bon, là, c'est un renard parce que je joue avec le mode Atmos, le mode mot créature. Donc là, nous avons également des dauphins. Et je vais reculer parce que s'il y a un petit poisson qui veut me dévorer, eh ben, il pourra que le faire. Hein. Ça, c'est un espadon. Non, ça, c'est une raie, pardon. L'espadon, il est là. Et le petit poisson rouge, là, me fait reculer parce que eux, ils dévorent. Là-bas, nous avons des éléphants, mais moi, ce que je cherche, c'est un arbre, et essentiellement un arbre fruitier, parce que je joue également avec le mode Better Grass, oui. J'ai Better Farming qui permet d'avoir les blocs complètement recouverts d'herbe. Là, on voit, là, on a un renne, on a un cheval, on a une petite souris. Et là, avec Better Farming, je suis obligatoirement sûr de ne pas mourir de faim. Bico, je pourrais manger des petits citrons. Alors, là donc je vais récupérer à manger. Hop. Donc ça, quand on arrive, on n'a même pas besoin de s'inquiéter à trouver des bêtes ou à trouver un champ ou je sais pas quoi. Par contre, je vais faire une... Ah! Ça surprend, j'ai encore pas essayé non plus. Petite vérification sur options. Je joue en facile, donc c'est bon. Ouais, on va jouer en facile. Ouais, pas de bolos, la fille. Pardon. Non, mais je fais cette vidéo-là, c'est pour découvrir un pack de textures. Donc, regardez la petite poule derrière, là. Enfin, là. Les poules sont marrons aussi. Donc oui, je fais... Ça pour découvrir un pack de textures, c'est une petite aventure comme ça. Donc le but du jeu, ça va pas être la baston à mort. Le but du jeu, ça va être de s'amuser. Et je vous avouerai que je préfère. C'est super beau ici. Ah, là-bas, on a un oranger encore. Mais là, l'oranger nous a redonné des fruits, donc c'est nickel. Alors, nous voilà avec ça. Donc, je trouve que l'inventaire est quand même pas moche. Non, c'est pas ça. Enfin, bref. Ouais, c'est plaisant, je trouve. Là, on croirait un petit peu à un dessin de Léonard de Vinci. Et je trouve ça amusant. Hop. Ça, on va déjà avoir une pioche pour pouvoir aller chercher de la cobble et se faire des choses en cobble.
Bonjour, petit renne. Il est mignon et c'est un bébé, ça. C'est pas le grand. C'est pas le grand renne. Je vais aller. Oh, un escargot. J'ai cru que c'était une pomme à la base. Bonjour, escargot rouge. Alors, les vaches dans ce pack de textures sont mignonnes. Ouais, on va dire ça comme ça. On a vu mieux, hein. Voilà. Bon, ça c'est une bête de mon créature ou Atmos. On va peut-être pas aller chercher de la cobble ici parce que. Hop là. C'est le zèbre qui m'a perturbé. Bonjour, petit zèbre. Ça c'est un bébé zèbre. Si, il avance tout le temps, mais c'est un bébé quand même. Donc on... Ça, c'est normalement, c'est la cobble. Ressemble à des briques. Oh, la bonne idée. Enfin, moi je trouve que c'est une bonne idée. Je suis à peu près du point de spawn, ça va laguer, c'est normal. Parce que le pack de texture en lui-même ne doit pas être lourd. J'utilise également Not enough item. Donc, bah, je vais tricher, je vais mettre le jour au moment où il va commencer à faire nuit, quoi. Suis. Oh, bah attends, on va pas te marcher dessus, petit escargot. Alors, avec Rise Minimap que j'ai en haut à droite, nous voyons. Que nous sommes dans de la plaine, que là-bas on dirait bien qu'il y a une grotte ou je sais pas quoi. Ah bah oui, on va reprendre encore à manger, c'est vrai. Tant qu'à faire, hein, faut en profiter. Ça fait remonter que d'un gigot, mais ça évite d'être speed dès le début, de devoir tout de suite chercher à manger, prendre des graines. Voilà quoi, on est dans Minecraft, on n'est pas sur Koh-Lanta quoi. Waouh, le sable! Oh que j'aime! Oh que j'aime! Ouh! Oh que c'est beau! Ah là, franchement, ça j'adore. Oh là là, faire des maisons avec ça, mais ça va être juste du bonheur, quoi. Là, je me précipite pas trop parce que si on se fait encore voir par un. Par un squelette, c'est moche quoi. Ah bah c'est là où je voulais aller, effectivement. On va longer un petit peu le bord. Je me paye le culot de traverser dans l'eau. Bon, oh, c'était quoi ça? On va voir hein, si on se fait mordiller les doigts de pied, bah tant pis. Hop là. Donc, l'herbe. Elle est belle. Voilà. Le sable n'est pas trop moche parce que je remarque dans certains packs de textures, c'est pas moi qui les teste hein, d'habitude, c'est mon homme. Là, je lui pique un petit peu son rôle, mais lui, il est plus dans les packs de textures un peu plus homme, quoi. Moi, j'aime bien quand c'est des packs de textures un petit peu fille. Eh ben, le sable est rudement beau. Sérieusement, oui, je le trouve très beau. Bonjour les Dragonfly, ça va? Je commence à penser que je suis encore tombée sur une île là, parce que. On va aller par là voir un petit peu ce qu'il y a. Ça va mon petit dindon? Allez, il est beau ce pack de texture là, dindon. Oui, qui dit. Glou glou glou, ça veut dire oui. Hey, qui c'est qui m'attaque? Ah, ou c'est les glouglous qui se battent peut-être, je ne sais pas. Ah, des petits oiseaux et tout. L'eau est belle. Ah, c'est parce que là-bas on a de la neige. On va y aller.
Attendez, je vais manger un petit peu. On va y aller parce qu'il y a des ours blancs, des renards des neiges, dans les biomes neige, et c'est superbe. Je connais les modes, hein. C'est juste le pack de textures que je teste. J'aurais peut-être mieux me faire des armes un peu, mais enfin, c'est pas grave. Parce que les ours blancs, ils attaquent. C'est pas grave. Normalement, j'ai pas les monstres, les animaux agressifs. Donc ça devrait aller. Déjà, on a un petit nounours peut-être là? Non? Non, c'est un petit cochon. Voilà. Lui, le petit machin rouge dans l'eau, il mord. Ah, les cochons, je suis pas enchantée. Les moutons, c'est exactement les mêmes. Les cochons, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien le petit cochon rose parce que là, on dirait juste que c'est un cochon sale, quoi. Oh, une petite souris. Elle est coincée. Attendez, on va la libérer. Bah oui, hein, quand même. Voilà. Normalement, comme ça, elle va pouvoir remonter. Ou je l'ai tuée, non? Dans le doute, barrons-nous avant de se faire bouffer par sa famille. Oh, je rigole. Voilà, un petit nounours blanc. Bon, ben les animaux, que ce soit Atmos. Ah putain, je me fais attaquer par un ours. Aïe, salaud, lâche-moi. Lâche-moi. Espèce de brute épaisse et il y en a partout. Oh mon Dieu! On va faire le tour. La vache! Ça commence. L'aventure, c'est l'aventure. Va voir les nounours, comment qu'ils sont beaux pour te faire démolir la gueule. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est quoi? Un renard. Un chien, pardon. Et ça, c'est un renard blanc. Oh, le petit con! Oh, le méchant! Mais bon, non, c'est pas le méchant. Bon, je mets notre inafitem le jour. Oh, ben ça va, vas-y, il bouffe un chien maintenant. Eh, abuse pas, renard! Oh non, t'es crade. Elle va manger des poissons. Mais il crève de faim. Eh, c'est un test de pack de texture gigantesque. Attendez, je reprends la bouffe, moi, parce que... Bon. Allez, on se barre, parce que là, c'est un peu trop de violence. Dit la fille qui attend avec impatience le début du catch à la télé. Mais enfin, c'est pas grave. Hop là. Hop. Alors, les petits lapins. Bon, alors, l'herbe est quand même belle et les arbres. J'adore la couleur du tronc. Les feuilles, bon, ne changent pas beaucoup par rapport au pack de texture habituel. Moi, je suis pas fan des packs de texture, hein. Je l'ai déjà dit, je le redis. Mais je trouve ça amusant de découvrir un petit peu de nouvelles choses quand même. On n'est pas... Je suis pas borné comme un âne, hein. Ah, les vaches, non, il n'y a pas moyen. Les moutons n'ont pas changé, mais les vaches sont laides. Le sable, franchement, il est très très beau. C'est pratique, hein, Rise Mini Map, hein, parce que comme ça, on voit où on va. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de sortir du biome neige, parce que on a vu ce que je voulais voir, un ours blanc et puis un renard. Et maintenant, j'ai envie de me barrer. Parce que ils sont méchants, 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 ils sont méchants. Oh les méchants. Hop. Là on a encore une grotte. Le gravier est beau. Il est pas formidable, mais je le trouve bien. Et finalement, bah, il ressemble vachement à du gravier. T'es quoi toi? Encore un renard blanc, purée, c'est hyper rare les renards blancs, mais bon, c'est comme les dauphins roses, je les collectionne, on dirait. J'ai eu peur que ce soit un petit bébé nounours, parce que s'il y a un petit bébé nounours, c'est qu'il y a les parents quelque part, hein.
Il n'y aurait pas du fer ou du charbon quelque part? Non. Heureusement que c'était pas profond parce que j'y vais directement. Biome neige, tu te finis quand? Oh ben là. Oh, c'est poussou. On sait rien, c'est juste dans la nature. Alors, les fleurs maintenant. Les fleurs jaunes, on va en prendre une qu'on installera dans notre habitation. Les fleurs jaunes sont très très belles. Excusez-moi, je viens d'avoir très peur, mais là c'est dans la vraie ville. Donc là, on a une petite souris qui nous suit à première vue, qui m'a fait peur, mais bon ben l'herbe, les arbres, donc le feuillage ne change pas énormément. Les troncs sont quand même différents et là j'avoue que j'aime beaucoup. Les fleurs rouges. Hop là, impec. Beau, 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 beau. Un petit champignon, bah les champignons jaunes ne changent pas. Enfin, marron, pardon. Jaune, n'importe quoi. Là, c'est rien. C'est une map que j'ai téléchargée avec vous, hein. Je suis jamais venue, là, je me dirige un peu comme un âne, n'importe où, on y va. Droit devant, les petits papillons. Oh, pardon, l'arbre. Pas de charbon apparent, pas de fer apparent non plus. Si, charbon. Bon, ben voilà le bloc de charbon. Il est où l'autre? Là. Tourne le dos au monstre, ma poule, t'as raison. Voilà. Allez, on se tire ailleurs. Hop là. Donc déjà on a vu le bloc de charbon, là on va rechercher un petit peu à manger. Toujours aller chercher à manger. T'as que ça dans la vie dans Minecraft, à manger. Il y a même certains qui rajoutent boire. Hop. C'est quoi ce petit truc blanc? Ah bah encore une petite souris blanche. Bon. Va falloir qu'on se trouve un endroit où aller, où s'installer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les dauphins qui sont bloqués là. Ils sont au bord, voilà. Je traverserais bien là. J'aimerais bien trouver quelque chose en fait où. Bah, un village de PNJ ou quelque chose. Donc ce sera le but hein, de l'aventure là. Village de PNJ, nous voilà, et découverte du pack de textures, le boulot est extrêmement beau. Je vais prendre un petit peu de bois encore, tiens. On va regarder comme ça, le tronc est simple. J'ai fait le test de... Enfin, j'ai fait une aventure avec le pack de textures Lolita, et il y a des cœurs quand on coupe les arbres. Ouais. Hop. Bon. Est-ce que tous les bois sont pareils? J'ai pas fait attention tout à l'heure au premier arbre que j'ai coupé. Ouais, c'est tout pareil. Ok. Profite que je coupe un arbre pour vous dire que quand on plante des graines de pommes, par exemple, on a un pommier qui pousse. On a également des orangers. On a tout ça, tout ça, tout ça. Alors. Encore un petit cochon qui nous montre son cul. Voilà. Bonjour cochon. Non, j'aime pas. Sérieusement, j'aime pas. Je vais pas m'en remettre. Bon, on va partir comme ça, tout droit. Et sur la map, ça fait que je vais vers le bas. Ok. Comme ça, on sait où on va et on repartira pas dans le même sens. Là, on a des petits lapins qui courent. On a encore des arbres. On n'est pas tellement gâté avec les arbres fruitiers. Oh, purée!
Déconne pas. Bonjour, Panda. 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 Mon ami. T'es mon ami, Panda. J'adore les pandas. Bonjour, Panda. D'ailleurs, je ne sais pas quand je vais diffuser cet épisode, mais je tiens à remercier un ami sur Facebook, qui est aussi un ami de Minecraft, Gereta, qui a diffusé une merveilleuse, pardon, histoire, image avec un petit panda que j'apprécie énormément. Voilà, c'était une ellipse de la vie réelle. Oh, ben le nounours, il est bloqué. Non? Remarquez, maintenant que je me suis fait à moitié dévorer par un ours blanc, je sais pas si je dois le libérer. Oh, bah, je suis contente, j'ai trouvé un petit panda. Je reste pas trop avec parce que sinon je vais rester avec tout le temps. Oh, j'adore ça. Donc au fait, la terre est belle, hein. Ça fait un effet dégradé là, c'est beau aussi. Un petit canard. Bonjour, canard sauvage. Oups là. Il n'y a pas beaucoup d'oranges, mais on va les chercher quand même. Vous pouvez pas imaginer comment j'ai désespéré à mort de trouver un jour un panda dans mon Minecraft, la première aventure modée que j'ai fait. Je l'ai arrêté parce que je trouvais pas de panda et ça me rendait malade. Hein. Sérieusement, j'adore trop les pandas. Et j'ai recommencé une aventure au troisième épisode de Je trouve un panda. Alors là, j'ai dit ça, c'est du bonheur. Allez en ligne sur ma chaîne si vous voulez voir. C'est l'épisode 3, aventure modée. Bon, moi je voudrais un village de PNJ, mais faut pas se presser, hein. Les insectes. Hop là. Alors, on met en route Rise Minimap. Des fois qu'il y a un village de PNJ sur le côté que nous n'ayons pas vu. Mais à première vue, non. Hop. Donc, je pense que je vais vous laisser là pour ce premier épisode. Parce que là, bon, on découvre bien la terre. On a vu les animaux. On a vu plein de choses. Et puis, bah, moi, je vais continuer à avancer dans la même direction. Et. Ah, une biquette. Ça y est. Viens là. Viens là. Aime-moi, Blanchette. Attends, je te donne à manger. Ah, ben voilà! Non, je ne vais pas. Oh merde! Je l'ai appelé pet name encore. C'est pas vrai! Viens là! Elle bouffe toutes mes pommes! Bon, mais si tu veux ne pas me suivre, c'est pas grave, pet name chèvre. Oh, j'ai déjà appelé un oiseau pet name dans mon aventure précédente. Je vous jure. On va peut-être aller. Où qu'elle est ma flèche? Par là, parce que des fois dans la cobble comme ça qui est sur la terre, on arrive à trouver encore un petit cheval. Et ben moi je vais vous laisser là. On va parler tout bas pour pas déranger les animaux. Je vous laisse et on se retrouve dans le prochain épisode. Moi je vais continuer à avancer. Je vais aller vers la cobble qu'on voit sur. Oh qu'elle est beau, oh punaise. Allez. Je vous laisse là, je vais aller vers la cobble qui traîne et je vais aller essayer de trouver du fer pour les moutons qui dans ce pack de textures sont exactement les mêmes, prendre leur fourrure et me faire un lit. Ça se dit la fourrure du mouton? Non, c'est la laine, abruti. Oh, allez, je vous dis à la prochaine, à plus tout le monde.